es un intento más. Simon Yates is the winner of the 2018 Vuelta a España. Bonjour à tous et bienvenue sur la première étape de la Vuelta. On débute cette année avec un contre-la-montre par équipe autour de Torrevieja. Si l'équipe Ineos ne semble pas armée pour jouer la victoire finale, l'équipe Jumbo-Visma sera très attendue autour de Roglic. On retrouvera Kruijswijk, troisième du dernier Tour de France, mais aussi Bennett et Gesink. Tout pour le général donc, et peut-être dès cette première étape. Côté favori, les Sud-Américains seront à l'honneur. Movistar à domicile aura un grand rôle à jouer avec Quintana, entouré de Valverde et Marc Soler. Un autre homme à suivre, c'est un autre Colombien, Miguel Angel Lopez, avec une équipe Astana taillée pour la gagne. Avec les frères Izaguirre, Jakob Fuglsang, le vainqueur du Dauphiné, mais contraint à l'abandon durant le dernier Tour de France. La team Dimension Data lance les hostilités dans cette Vuelta 2019. La première équipe à faire un temps référence est Education First, avec le Colombien Rigoberto Urán, première équipe à passer sous les 15 minutes. La déception viendra du team Ineos, dominé dans cette étape. Les Britanniques terminent à 18 secondes d'Education First. Education First qui va bientôt être délogé par l'équipe Sunweb, puis par Astana qui place Lopez dans une bonne posture. Jumbo-Visma s'élance ensuite dans les dernières positions avec l'étiquette de favori, mais après seulement quelques hectomètres, l'équipe néerlandaise perd l'américain Sepp Kuss qui a un incident mécanique. Mais surtout, l'équipe Jumbo-Visma va chuter lourdement, fin des illusions pour cette équipe qui avait remporté le contre-la-montre sur le Tour de France. Les ennuis de Jumbo-Visma qui vont empêcher les deux Quick Quickstep de foncer vers la victoire, retardés dans leur progression, les Belges vont échouer pour 2 secondes seulement. L'équipe Astana remporte donc cette première étape devant De Koninck et le team Sunweb. 4 équipes se tiennent en moins de 10 secondes. Les Jumbo-Visma terminent eux à 40 secondes. Super contentos. On est super contents. Je veux remercier toute l'équipe. Ils ont fait un super travail aujourd'hui. On commence la Vuelta de la meilleure des manières. Je suis soulagé car j'ai une bonne équipe avec moi et qui me soutient à 100%. L'équipe Jumbo-Visma a été la grande favorite de cette étape après son succès à Bruxelles dans le même exercice sur le Tour de France. Et à l'image de la mésaventure de Van Aert sur la grande boucle, l'équipe néerlandaise a une nouvelle fois connu la chute. Un peu plus tôt dans l'étape, c'est l'américain Kuss qui avait dû abandonner son équipe pour des raisons techniques. Il était donc écrit que Jumbo-Visma ne pourrait pas s'imposer aujourd'hui. Malgré une Dream Team autour de lui, Roglic débute très mal cette Vuelta. Au classement général, c'est le coureur qui a passé en premier la ligne d'arrivée avec l'équipe Astana qui prend la tunique de leader. Ce n'est pas anodin, c'est Miguel Angel Lopez, le Colombien, qui prend les commandes de cette Vuelta devant ses coéquipiers. Pas de maillot de meilleur grimpeur ni de maillot vert du classement par points après cette première étape, mais un meilleur jeune, il s'agit de Lopez qui fait coup double. Mais le néerlandais de la De Koninck Quickstep, Jakobsen, portera demain la tunique blanche de meilleur jeune. Grosse pression donc pour Lopez, un des favoris à la victoire finale qui porte le maillot rouge de leader au soir de la première étape. Va-t-il le défendre dans les jours qui viennent? Rien n'est moins sûr.